Et fermez les yeux. Revenez à l'intérieur. Et prenez conscience de votre état d'esprit. Prenez conscience de celui qui observe, celui qui écoute mes mots et vos pensées, celui ou celle qui ressent. Quoi que vous ressentiez, avant que vous y réagissiez, simplement vous recevez ce ressenti. Quoi que vous pensiez, avant que vous le jugiez, simplement vous recevez les pensées. Et quoi que vous entendiez, simplement vous l'entendez. Quelles que soient les émotions, ce sont simplement des émotions. Et on peut complètement abandonner le monde extérieur, se soulager du poids du monde extérieur, laisser tomber l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Pour revenir à cette fonction de nous. Qui reçoit toutes les informations. C'est la pratique de Minjue, de revenir à cette fonction essentielle, fondamentale de notre conscience. C'est être présent, être conscient et savoir que l'on est présent, savoir que l'on est conscient. Et naturellement, plus de chi rend la conscience plus abondante, plus claire, plus puissante. Et tout se met à mieux circuler dans la conscience. Toutes les informations se débloquent, s'ouvrent et circulent bien mieux. Tout le chi et le sang s'ouvrent et circulent bien mieux. Tout le chi et les informations deviennent de plus en plus abondantes dans la conscience parce que nous revenons profondément dans la conscience et cela la nourrit. Puis les profondeurs, la vitalité de la conscience devient de plus en plus abondante, de plus en plus présent, de plus en plus conscient. Et cela permet de ressentir
plus de douceur, plus de tendresse. Plus d'amour. Détendez-vous profondément. La conscience devient plus présente et éveillée. C'est la pratique de Minjie. Et la conscience fusionne avec tout le corps de Qi. Tout le corps de Qi devient présent, conscient. Tout le corps de Qi devient plus fin, transparent, plus clair et dans l'univers. Avec tous ceux qui consciemment utilisent l'univers. De l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Toute la communauté de conscience et d'amour. Tout le meilleur de chacun d'entre nous. De toute l'humanité. La plus belle expression de chacun, que tous nous avons en permanence. Détendez-vous, relâchez, souriez. La conscience devient de plus claire, transparente et toutes les informations et tout le chi sont abondants et se débloquent, circulent librement, tous les blocages se désobstruent, se relâchent. Se dénoue, se défond et tout circule librement. Toutes les fonctions de la conscience s'améliorent et la conscience s'éveille. Nous allons observer des espaces de plus en plus fins, des transformations de plus en plus fines, pour réveiller l'amour, l'unité, l'harmonie en nous, en vous, en moi. Dans toute la communauté de conscience et d'amour, avec tous les êtres qui consciemment aiment, ont de la compassion, de la douceur et de la tendresse, avec tous les gens que nous aimons et avons aimés. Avec tous les gens que nous aimerons. Avec tous les gens qui nous aiment, qui nous ont aimés et qui nous aimeront.
Le cœur sait tout ça. Le cœur n'existe pas dans le temps et l'espace. Le cœur est au-delà de tout ça. Le passé, le futur et le présent n'ont aucun sens pour notre cœur. Ça ne marche pas comme ça, profondément. Il y a un troisième niveau de la matière, un troisième niveau de la réalité qui est la réalité de la conscience. Il y a la réalité du corps et elle est faite de chi. C'est la deuxième réalité. Et il y a la réalité de la conscience qui constitue le chi et le corps. Au niveau de la conscience, il n'y a plus d'espace et plus de temps. Dans la conscience, peu importe où vous êtes et où je suis, nous sommes reliés de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Peu importe où est le professeur Wei, Pang, tous les professeurs, nous sommes ensemble. Peu importe où sont les membres de la communauté de conscience et d'amour, nous sommes de cœur à cœur et d'esprit à esprit. La conscience n'est pas limitée par la distance. Comme nos ordinateurs qui se connectent, la conscience aussi se connecte avec l'information, mais de manière plus pure et plus efficace, plus pénétrante et transformatrice. Et nous allons observer des espaces de plus en plus profonds à l'intérieur de notre être, devenir de plus en plus simple, de plus en plus pur. Observez à l'intérieur du temps de Tien supérieur. Souriez. Tantien supérieur fusionne avec le champ de conscience et d'amour. Les yeux, le nez, les oreilles et la bouche fusionnent avec le champ de conscience et d'amour. Le cou et la gorge, se remplissent de douceur, de tendresse. Et sous les épaules et les bras, les épaules, les bras se détendent. C'est comme une fleur qui s'ouvre et se détend, qui prend de l'espace et du volume, rayonne. Les épaules de l'intérieur se
Les coudes, les poignets, les mains et les doigts. Fusionne dans le champ de conscience et d'amour. Toute la colonne, ce n'est pas tellement qu'elle s'ouvre, mais plutôt qu'elle n'a jamais été fermée. Le temps de Tian médian. Le cœur. S'ouvre et se libère. Le cœur devient libre. Dans le champ de conscience et d'amour. Les poumons. Souriez au poumon. C'est un espace de chi et d'information qui se débloque et se dénoue. Tout redevient passant et circule librement. Tout se relâche. Se relâche. Se libère. Et redescend dans le temps de tienne inférieur. Complètement vide et ouvert. Transparent et clair. Il devient de plus en plus profond, de plus en plus fin. Les reins, nourrissent la conscience profondément.
Les reins se relâchent. Le foie. Devient pur chi, pure information. La vésicule biliaire. Ouvre, s'illumine, rayonne. Le pancréas. S'illumine. Se ressentent. Tout est tellement vide. Tellement pur. L'estomac. S'illumine. La rate. L'estomac. Les intestins, la conscience est très stable, très simple et détendue. Clair. Les intestins se détendent, s'illuminent. S'harmonisent.
Tout se relâche et circule librement. Tout se détend. La vessie s'illumine. Ruyin doucement, fermée vers le haut. Doucement. L'axe de Ruyin, Apa et Rue s'illumine. Le système reproducteur s'illumine et circule librement. Tout s'illumine dans le système reproducteur et il n'y a plus aucun problème. De Ruyin, Apa et Rue, le corps grandit. Grandit, grandit, le corps de Chi grandit dans l'univers. Tout se relâche et s'ouvre. Les jambes, puis les fessiers, les sacro-iliaques. Les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Tout s'ouvre et devient de plus en plus profond à l'intérieur. S'éclaire et s'illumine. Chaque cellule se relâche et s'ouvre. Chaque cellule se détend et relâche toutes les tensions, tout le stress. Tout se transforme en chi. En fait, tout est chi. Et tout se passe dans la conscience. Toute cette expérience a lieu dans la conscience. Qui s'ouvre. Tout est fait de conscience. Toutes les cellules, toute l'ADN. L'ADN. Des milliards de petites cellules se détendent et se relâchent, redeviennent souples et flexibles, redeviennent pur chi, vides et ouverts, comme l'univers. Et l'ADN se relâche et s'ouvre. C'est très bien.
Votre conscience est déjà très pure et simple. Et notre champ de conscience et d'amour est très efficace, transformateur, très beau. Pouvons avoir plein de gratitude pour le champ de conscience et d'amour qui nous soutient, nous transforme, apporte douceur et tendresse, amour, éveille doucement notre conscience assoupie, doucement notre conscience se réveille. Avec le plus grand amour, la plus grande tendresse et douceur pour nous éveiller. Comme le prince charmant qui éveille la princesse endormie. Le chant de conscience et d'amour doucement nous éveille. Réveille toutes nos petites cellules, tout notre ADN. Tout circule très bien, partout. Tous nos petits atomes vibrent. Tout devient harmonieux. Unis. Tout fusionne dans le champ de conscience et d'amour. Rappelez-vous ce que vous voulez vraiment. Pour vous, est-ce que vous voulez pour le monde entier? C'est notre cœur pur d'enfant qui le souhaite pour le monde entier. Tout est possible pour notre cœur pur d'enfant. En observant la vibration douce et tranquille, nous allons dire Shenji silencieusement. Stop. Vous allez dire Shenji. Et quand vous dites Shenji, quoi qu'y apparaisse, quoi que vous ressentiez, quoi que vous pensiez ou entendiez,
Prenez conscience que c'est la vibration de Shenji, que c'est la conséquence de cette vibration qui se propage. Allez-y. Quoi qu'il se produise, quoi que vous ressentiez, ce n'est pas à côté de la vibration. C'est parce que ça vibre que vous pouvez ressentir ce qui se passe de cette manière-là. Quoi que vous pensiez, ce n'est pas à côté. C'est parce que ça vibre que ça révèle ces pensées-là. Mais souriez, détendez-vous, relâchez la pression. Observez, concentré et détendu. Ouvert. Prenez conscience de tout votre panorama intérieur. Il n'y a rien en dehors de la vibration. C'est parce que ça vibre que tout se révèle. Nous sommes comme dans un grand espace conscient dans lequel la vibration de Shenji met tout en mouvement, met tout en vibration. Et c'est très doux et très tendre. C'est plein d'amour. Et prenez conscience des moments entre deux Shenji, les temps calmes et suspendus, quand la vibration se répand plus profondément et que tout se suspend, s'apaise et s'ouvre. Quand tout passe hors du temps
et de l'espace. Détendez, souriez. Palais de Shenji, lumineux, centré. Le cœur lumineux, centré. Pancréas. Centré, lumineux. Le tantien inférieur, centré, lumineux. Huayin, fermé vers le haut. Paihui, grandi vers le haut. Le sourire s'épanouit. S'élargit. Stop. Observez, ressentez, le menton rentre, et Paihui grandit, tête en arrière, le menton monte. Le menton en avant. Descend. Laissez la tête complètement descendre. Relâchez-la complètement. Vers l'intérieur. Et remonte. Avec le sourire, la détente. La tête droite, Paihui grandit, grandit, tête en arrière, menton monte. En avant. La conscience est sensible à l'intérieur de la tête et du cou.
et observe les changements à l'intérieur de la tête et du cou. En bas, continuez. Nous allons jouer à un jeu. Vous allez imaginer que ce corps que vous bougez n'est qu'une poupée de chiffon. Votre conscience bouge le corps. Très librement. Elle peut le bouger comme elle le souhaite. Imaginez que ce n'est qu'une marionnette très détendue, très relâchée et vide, que vous pouvez bouger comme vous voulez. Il n'a aucune tension, aucune importance. Puis, tout doucement, vous allez finir votre tour et recentrer la tête. Pairo est grandi, tout le corps grandit. Sous, dites Shunji silencieusement pour voir ce qui se produit. Le menton rentre, le menton descend le long de la poitrine. Relâchez complètement la tête, laissez-la tomber. En avant. Et écoutez et observez à l'intérieur de la tête et du cou vers le haut. Pairoi grandit et le menton revient à l'intérieur. Le menton descend. Relâchez complètement la tête. En avant. Écoutez à l'intérieur. Observez. Le haut. Tête en arrière. Pairoi grandit. Menton rentre.
Menton descend. En avant. Le La tête et le cou s'illuminent. Tête en arrière, Pairo est grandi, menton rentre. Stop. L'intérieur du Tantien supérieur, lumineux, harmonieux, du cou et de la gorge, des épaules, des bras, du Tantien médian, du cœur et des poumons, du Tantien inférieur, du foie, de la vésicule, tout s'illumine. Pancréas, de l'estomac, de la rate, des reins, des intestins, de la vessie et du système reproducteur, de toute la colonne, des cervicales, tout s'illumine et rien n'a jamais été fermé. Alors tout s'ouvre et circule. Thoracique, les lombaires, le diaphragme, le bassin, les sacroiliaques, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, tout s'illumine. Jusque dans tout le champ de conscience et d'amour, fusionnons entièrement. Fusionne avec le chi originaire et tout s'illumine. Dans les profondeurs de notre être, s'éveille. Prenez une balle de chi devant vous. Devant l'abdomen, la balle de chi se condense et pénètre jusque dans le palais de Mygmen. Superposez les paumes de main sur le nombril. La conscience se repose dans le palais de Mygmen. Écoutez la respiration douce.
tout le champ de conscience et d'amour revient à l'intérieur des jambes, des hanches, des sacro-iliaques, de tout le bassin, pénètre dans le palais de Mi'kmaq, à travers des bras, des épaules, du dantian médian, jusque dans le palais de Mi'kmaq. Par la tête, le dantian supérieur, le cou et la gorge, les thoraciques, les lombaires, jusque dans le palais de Mi'kmaq. Nourrir le chi, la conscience et l'amour. Le champ de conscience fusionne dans votre foyer, illumine tout le champ d'information et de chi de votre foyer qui circule très bien, tous les objets, les possessions, toutes les plantes, les animaux, les gens, les membres de votre foyer. De cœur à cœur, d'esprit à esprit, toutes les informations se libèrent, tout le chi se libère, tout circule, se nettoie, se renouvelle. Tout change. Notre quartier, notre ville, notre pays, la terre, l'univers, avec tout le champ de conscience et d'amour, merci. Merci. À vous tous, merci. Tout le champ de chi, de conscience et d'amour revient dans le palais de Mi'kmaq. Nourrir le chi, nourrir la douceur, la tendresse et l'amour. Nourrir la conscience. Tout s'ouvre et se libère. Merci beaucoup pour cette séance. Le chi est tellement plus pur, tellement plus abondant, tout fonctionne tellement mieux. Dans la conscience, le cœur, tout le corps de chi, tout le corps physique. Libérez les mains et bougez librement. Sentez-vous bien partout. Bougez pour vous sentir bien, pour confirmer dans vos sensations que tout va très très bien.
Nous sommes pleins d'amour, de tendresse et de douceur. Nous sommes plus puissants et plus forts, plus jeunes, en meilleure santé, plus beaux, plus harmonieux avec tous les êtres et tout l'univers comme avec nous-mêmes. Nous sommes plus humains, plus centrés. Aujourd'hui, nous allons vivre très vieux. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin. Samedi, ce sera la journée culturelle du Dzogchen Qigong. Des pratiques tout au long de la journée, de 7h à 19h. Des pratiques semaï tout au long. Réservez votre journée pendant un moment ou pour toute la journée si vous voulez. Je vais vous envoyer la newsletter. Tout est déjà sur les groupes WhatsApp. On se retrouve demain. Passez une excellente journée. Merci.